L'épisode du jour, eh bien, traite de l'entretien des VAE urbains. Alors, on a fait un sujet un petit peu général où on parlait de l'entretien, le coût de l'entretien des VAE et des VTTAE un peu plus orientés tout terrain, je vous l'avoue. Là, ce sujet-là, il est 100% urbain. On va parvenir sur les thèmes abordés en tout terrain. Sur ces vélos urbains, généralement, pas de suspension arrière. Donc, au niveau des gros frais révision annuelle des suspensions, les coûts sont dérisoires. De temps en temps, des bagues de guidage. La plupart du temps, il s'agit de bagues en plastique, pas très chères, faciles à remplacer. Et honnêtement, l'usure est quasiment infime par rapport à un usage tout-terrain. Donc, au niveau suspension, vous allez pouvoir vraiment faire un paquet de kilomètres avant d'avoir du jeu frontal dans la fourche. Par contre, c'est un vélo que vous allez utiliser énormément. Le but de cet achat, c'est d'avoir carrément remplacé une voiture. Si vous êtes célibataire, pas d'enfant, on va dire, à déposer à la colle, un petit vélo solo sera juste parfait. C'est ce qui correspondrait à une monoplace en automobile. Par contre, si vous avez des enfants à gérer, et bien que vous en ayez 1, 2, 3, voire 4, il existe des solutions aujourd'hui avec les cargos compacts ou les supercargos. Là, avec le Yuba, aucun souci pour aller déposer deux enfants à l'école si nécessaire. Après, en termes de coûts, eh bien, dur d'échapper, on va dire, au minimum à une révision annuelle. Et oui, déjà, avec ce vélo, vous allez freiner. Donc, le premier élément qui va s'user, ça va être les plaquettes. Donc, les plaquettes, il faut régulièrement vérifier leur épaisseur, leur usure. Quand un frein Queen, c'est pas logique. Si au freinage, vous avez du bruit, c'est soit qu'il y a du jeu, soit les plaquettes sont usées. Donc là, direction votre vendeur pour, on va dire, une analyse de la situation et le remplacement des pièces défectueuses si nécessaire ou juste un resserrage. La pression des pneus est également à faire régulièrement, une chambre à air est poreuse et vous ne pourrez pas passer une année sans regonfler. Donc la mini-pompe, la pompe à pied sont nécessaires avec l'achat de votre VAE. Généralement, les valves sont les mêmes que celles que sur une voiture, donc n'importe quelle station-service, compresseur peut vous dépanner pour regonfler. Pensez à bien respecter la pression des pneus préconisée par le constructeur. Généralement, celle-ci est affichée sur le flanc des pneus. L'astuce d'ailleurs peut être de retourner les pneus en cours de saison, puisque étonnamment, eh bien, le pneu avant sera moins usé que le pneu arrière. Donc de les inverser au bout d'un moment, ça peut être une solution. Par contre, pensez au sens de rotation si celui-ci est différent entre l'avant et l'arrière. A noter également que plus vous allez rouler, plus vous allez user des pneus. Surtout si vous roulez en cargo, chargé, eh bien automatiquement votre pneu arrière risque d'être rincé beaucoup plus vite que si vous roulez sur un vélo solo. Ensuite, eh bien le plus gros poste va être la transmission. Effectivement, plus vous roulez, plus vous usez. Moins, mais également moins vous entretenez, plus vous usez. En effet, si vous huilez par exemple votre chaîne avec de l'huile d'olive, non seulement ça ne va pas sentir bon, être peu efficace, attirer les poussières et ça risque vite d'être la catastrophe. Du coup, utilisez des lubrifiants de qualité et suivez les saisons. Plutôt des cires sèches pour l'été, plutôt des produits un peu plus gras l'hiver, surtout si vous roulez dans la neige, et passez bien entendu aux pneus clous. Du coup, les pneus clous, puisqu'on en parle, eh bien c'est un achat supplémentaire à prévoir si vous voulez utiliser votre vélo toute l'année. À utiliser, c'est vraiment top. Sur le goudron, c'est pas plus gênant que ça, vous allez perdre un petit peu en autonomie. Par contre, en termes de grippe, le matin où c'est verglacé, ça vous évitera de partir en sucette et de vous retrouver sur le dos. Au niveau de cette transmission, les éléments qui vont s'user le plus rapidement sont la chaîne et la cassette. Surtout la chaîne. Cette chaîne, si vous la surveillez en termes d'usure, avec un petit gabarit, comme le gabarit Parksoul par exemple, eh bien, vous allez pouvoir, on va dire, anticiper le changement de celle-ci et ne changer que la chaîne plutôt que de changer chaîne-cassette. L'autre option, c'est d'emmener tout au bout du bout. Et une fois que votre chaîne aura pris 15 mm en longueur, voire plus, elle peut même carrément prendre une paire de maillons, c'est-à-dire 2,54 cm. C'est pas rare de voir ça sur un vélo. C'est le cas par exemple sur ce vélo qu'on vient de passer en révision. Quasiment un peu plus de 5600 km. Et là, eh bien, on a pris 1 pouce en longueur de chaîne sur une chaîne en 114 maillons. Puisqu'on parle des maillons, un élément important également au niveau du coût, eh bien, c'est d'utiliser soit de la chaîne au mètre chez votre vendeur, il a tout ce qu'il faut. Dans certains cas, eh bien, si vous prenez un Yuba Boda Boda, on est sur une chaîne en 136 maillons, donc elle se fait de série.
Dans d'autres cas, Yuba va proposer des chaînes d'origine en grande longueur pour un Spicy Curry, par exemple, où la chaîne est hors norme. L'autre solution, sinon, c'est de passer en fait avec deux chaînes, mais en acheter deux pour les recouper pour en faire une avec deux, c'est pas forcément très économique. Donc la chaîne, ça reste quand même le poste le plus fréquent après les plaquettes. Et après, l'option, bah, c'est de changer chaîne cassette. Alors, le gros avantage sur un vélo urbain, c'est qu'on est rarement très haut de gamme. On est souvent sur du 9-10 vitesses avec des cassettes entre guillemets premier prix. Donc, il y a presque plus de main-d'œuvre que de pièces en elles-mêmes. Plus de main-d'œuvre, puisque généralement, on trouve des carters de protection qui, forcément, là au milieu, bah, sont des éléments un petit peu gênants qu'il va falloir démonter, puis ensuite remonter, resserrer. D'ailleurs, dans le coût de l'entretien, un check-up complet du vélo, l'ensemble des resserrages est également valable. Tous les éléments, style porte-bagages, etc., méritent également d'être resserrés. Mais ça, vous pouvez le faire vous régulièrement. Vos éclairages, pour être efficaces, doivent être propres, forcément. S'ils sont tout sales, ben là, rien à faire. Pensez à nettoyer vos vitres. Et après, en l'emmenant au magasin, si vous emmenez un vélo propre, eh bien, étonnamment, le technicien aura plus de plaisir à travailler sur votre vélo. Ça lui permettra de faire un travail plus propre, de gagner du temps. Pour vous, eh bien, la facture sera moins, on va dire, salée. Même si nettoyage n'apparaît pas sur votre facture, quelque part, vous le payez forcément. C'est un petit peu comme dans votre concession automobile, quand vous amenez votre voiture, eh bien, vous payez le forfait. Forcément, vous la retrouvez propre, mais celui-ci n'a pas été gratuit. Il était intégré dans le prix, soyez-en sûr. Et après, eh bien, il y a nettoyage et nettoyage. On peut se contenter de nettoyer. On peut aussi bichonner le vélo. Et là, eh bien, tous les bons produits pour l'automobile sont également valables. Le coton, le polish et la ouate et les petits cercles, etc. pour enlever les micro-rayures, les mauvaises traces et retrouver l'aspect du neuf. Ça aussi, c'est quand même agréable d'avoir un vélo qui, pour le coup, eh bien, lorsqu'il sort de révision, semble intégralement neuf, surtout lorsqu'on a fait, entre guillemets, des gros frais, chaîne, cassette, plaquette, eh bien, d'avoir un vélo qui semble sortir du magasin, sortir du carton, c'est toujours agréable pour attaquer une saison de vélo taf sur un vélo tout beau, tout neuf, même s'il a déjà quelques kilomètres au compteur. Un autre point nouveau avec ces histoires de pandémie, eh bien, c'est que dorénavant, les vélos sont systématiquement désinfectés avant d'être redonnés à leurs propriétaires. Donc automatiquement, cela a un coût aussi.